Party Team, une restructuration en vue. Nous avançons vers la réconciliation nationale, a annoncé l'ancien locataire Diablou, Marc Ravalmanen, au cours de l'Assemblée générale des responsables du parti Tiku Madagascar, qui s'est tenue dans la demeure du président fondateur du parti à Farabouj. Le fait d'entreprendre des dialogues permet, selon ses dires, d'instaurer un climat de confiance, aussi bien à l'intérieur du pays que vis-à-vis de l'étranger. Il a ainsi invité les membres du parti Team à suivre les différentes étapes à entreprendre qui ont été développées par Olga Ramalasson. L'Assemblée générale d'aujourd'hui, selon les précisions de Guiri Franjian Arsou, député élu dans le 5e arrondissement, est une initiative visant à réunir les membres du parti pour notamment préparer les élections à venir. Il y aura bien évidemment une restructuration au sein du parti, selon ses dires. L'ancien président Marc Ravalmanen a par ailleurs noté que son compte bancaire est toujours bloqué et des négociations sont actuellement entreprises pour un déblocage. Il a lancé un appel aux différents responsables du parti Team afin qu'ils se donnent la main pour venir en aide aux victimes d'inondations sur tout le territoire national.